Salut à tous, aujourd'hui on va faire le test de contraste sur Xbox Series X, c'est parti. Alors je connais pas du tout le jeu, on va voir ça avec vous. Hop, on va voir de quoi ça parle déjà. Alors on est dans le pot d'une femme on dirait. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire? Je connais pas le principe. Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle a des pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que ce petit jeu? Un visionnage option, hop, on dirait qu'elle a des pouvoirs, je sais pas. On a une chanteuse, cabaret. Interagir, on peut interagir avec les objets. Allez, tout à l'heure, dormir. Ok, une petite fille. C'est peut-être elle qu'elle était plus jeune, je sais pas. Ah, le jeu est en français déjà. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman arrive. Cache-toi. Ah, pour dire que le jeu est gratuit sur le Game Pass, sur la Xbox. Bonne nuit, ma chérie. Ah, ça doit être un personnage, je pense, de la fille. Ah d'accord, ça doit être son. Tu seras sage pendant que je serai partie chanter. C'est promis. Et pas de sortie en douce cette fois. Tu vas finir par. Parce que sa mère, elle le voit pas. Elle voit pas la. Je sais pas. Très bien. C'est un petit peu bizarre. Est-ce que papa va revenir un jour? Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être un jour, quand il sera prêt. Mais ne t'en fais pas. Tu sais que maman revient toujours. On va voir de quoi ça parle. On dirait un peu là, dans les années 30, 40. Elle va chanter au Cosmos ce soir. C'est le plus beau des cabarets. Ah, voilà, 5 ans. Voilà. Alors, on va voir comment ça se joue. Hop. Alors pour l'instant, on sait pas qui c'est ce personnage, enfin la fille là. Hein, on dirait que c'est une amie imaginaire. Je sais pas, c'est bizarre. Oh non, quelqu'un a bougé le chariot. Regarde. Je sais, tu vas descendre et déplacer. Ce que je vais faire, les gars, attendez, je vais mettre la pause, je vais remonter un peu. Hop, la commande audio. Ouais, le son est général parce que peut-être qu'on n'entend pas bien le personnage. Voilà, monter le son un peu parce que c'est vrai qu'on entendait. Bon. J'avais baissé le son un peu. Général. Devenir à l'ombre. Comment ça? Une ombre. Nouvelle attitude près d'un mur éclairé pour devenir une ombre. Ah bon? Ah ouais. Ah, c'est bizarre. Mais. On sait pas. Hein. Waouh, j'aimerais pouvoir faire ça. J'ai un succès. Tu crois que tu pourrais m'apprendre? Nouvelle dimension. Alors ça c'est vraiment pas mal. Bon après graphiquement c'est sûr que c'est pas très très beau. Mais visuellement ça va, ça peut aller. Alors il faut l'aider je pense à se déplacer pour que la petite puisse descendre. C'est pas mal fait le truc avec l'ombre là, la dimension là. Je me demande qui l'a déplacé. Tu crois que c'est maman? Ouais, on dirait que c'est son ami imaginaire parce qu'elle on la voit pas là. Ça fait 3 semaines que je ne t'ai pas vu. J'aurais vraiment aimé que tu sois là pour mon anniversaire. Papa a raté mon anniversaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, on va par là. Suis-moi. Ok, on va suivre la petite. On sait qu'on veut. On peut pas ouvrir, non? Je crois que tu es trop grande. Ouais, je crois qu'elle est trop grande, ouais. Je crois que ça mène à l'autre rue. Si je déplace ce chariot, tu pourrais monter sur son ombre. On essaye? Alors, comment elle a dit ça, la petite? Ah oui, l'ombre. Ah oui, d'accord. Ah oui, en fin de compte, il faut déplacer les objets. Avec l'ombre, ça va me servir à monter. Ah d'accord. C'est pas mal fait, c'est vraiment sympa. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un truc qu'on voit vraiment pas dans les autres jeux. On se retrouve au Ghostnut. Ça, c'est un mode qu'ils auraient pu faire aussi en coop comme ça. Ça aurait été pas mal. Ça me dit quelque chose, un jeu avec elle et les ombres comme ça. Hop. Ça c'est un jeu de la Xbox, soit la Xbox One ou... Parce que là je joue sur la Xbox Series X avec, mais ça me dirait un premier jeu de la Xbox One. Graphiquement, vu comment c'est.
pour visionner l'objet de collection. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Comment les décors sont assez sympas, même ça, bon, même s'il n'y a pas grand chose, c'est assez beau quand même. Petit côté sympa. Alors, pour visionner l'objet, je dois aller dans le cabaret, on dirait. Où la petite elle travaille, enfin, où sa mère travaille, je pense, à l'intérieur. D'accord. Interagir, ouais. Elle va rentrer. Alors, je pense qu'il va se passer quelque chose, il va falloir aider la petite après. Ce qui est bien, c'est que là, je vais obéir celui quand même. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des jeux comme ça quand même. Je pense que vous apprécierez la vue. Allumer. Je fais comment pour allumer le projecteur là? Ouais, c'est bien joli. Et on me dit d'allumer les projecteurs, mais on ne dit pas comment il faut faire. Ah, est-ce qu'il y a un passage là? Non, il n'y a pas de porte. Ah. Quoi, c'est bizarre, il n'y a que moi et la petite. Qu'est-ce... Ah, ça y est. Hop. Elle va chanter, non? Donne-nous un petit coup de main. On va pas jouer dans le noir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut le mettre là. Voilà. Ouais, c'est un jeu dormant, en fin de compte. Tout ce qu'on fait. C'est pas mal. Alors, comment on fait déjà? Mince. Je peux pas mettre, non? Bizarre. Ah, ça y est. Non? Allez, mon chou, donne-nous un petit coup de main. Diriger le projecteur en groupe de musique. Ah, mince. Il y a un truc qui cloche. On va essayer de le mettre. On va voir. Non, je peux pas. Ah, c'est bizarre parce que moi j'ai mis le projecteur. Ah, il me dit de retoucher le projecteur là. Bizarre. Alors, faut que je trouve l'autre, on dirait. Ah, ça y est. Diriger, voilà. On l'a trouvé, ça y est. Diriger de jazz. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre là? Le projo a un problème là-haut. Sparky, tu pourrais t'en occuper aussi? Il casse vraiment l'ambiance. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? Réparer le projet. Ouais, maintenant, elle va faire réparateur. Et je fais comment là? Je crois que c'est en haut en plus. Et je peux pas monter, si? Je fais comment pour monter en haut, moi? Alors, le projecteur, il est en haut. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça va me permettre de monter. Ah, c'est bon le truc. Ah, c'est bon, là. Franchement, c'est cool. Alors, diriger. Ok. Hop. Voilà. On a tout mis là. Tout est bon. Et... Le spectacle. Oula. Bon, on va le passer. On va voir qu'est-ce qui se passe après. Écoutez directement. Hop. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu chantes divinement bien, Kat. N'essaie pas de m'embobiner. Ça fait drôle parce qu'on voit tous, on voit les gens. Chaque, les parents de la petite. J'esquive déjà le proprio. Dans l'ombre. Je vais avancer un peu. Ah, le bar, l'univers. Hein. Alors, est-ce qu'on peut se balader? Non, on peut pas aller. On est obligé de suivre le chemin qu'on nous indique. Hein. Ok, je suis où là? Ah, j'ai un autre succès. Qu'est-ce que c'est? Chambre 529. Il vient juste de passer par cette porte. Je parie qu'il s'en va encore au bar.
Maman dit que papa nous a quittés. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Je pense que la petite, elle est en train de s'inventer un petit monde. Ouais, elle est là. Par contre, c'est bizarre parce que je sais pas c'est comment elle s'appelle la petite. Pour un structure fragile. D'accord, elle est capable de défoncer les. Wonder Woman, le truc. Mais c'est incroyable, Vincenzo. Hop. Passer par là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, Vincenzo, ce n'est qu'une simple bobine de film présentant votre numéro. Pourquoi ne pas me la prêter? Voilà, paf, se marcher ça. Pour déplacer l'objet, ok. Et je vais faire quoi là? Trouver la bobine du film. Pour l'instant, j'ai pas besoin de prendre ça. Visionner. Alors, on va regarder. Ok, exposition. Ouais, ça sert pas à grand chose. Là, je peux pas. Trouver la bobine du film. Le bar du jazz. Alors, c'est où ça? C'est pas là? Le bar, c'est là. Ah, je comprends pas. Ce que je vais faire, je vais le mettre un peu partout, on va voir. Ah, j'arrive pas à comprendre le. Je vais ressortir dehors pour. Ça me tannerait, mais. Papa va avoir besoin de cette bobine de film. Si j'ai bien compris, elle doit se trouver à l'étage. Ah, elle doit se trouver à l'étage, elle a dit la petite. Ça doit être le truc encore avec l'ombre, ça. Il y a un truc à faire avec la lombre. Celle a dit à l'étage et la petite. Non, je peux pas. Attends, je vais le faire comme ça, je vais monter. Est-ce que je peux me servir de l'ombre là? Non. Non, je peux pas. Est-ce que je peux monter là? Non, je peux pas. Alors là, je sais pas comment il faut faire. Il y a un truc en haut là, on dirait. Alors là, je vous avoue que je suis un peu bloqué. De... Ah, devenir ombre. Ah mince. Ah d'accord, ça y est. Là, oula. Ah ouais, c'est un coup à prendre. Hein. C'est, j'ai réussi. Parce que c'est vrai qu'en sautant, on peut changer. On peut être dans l'ombre. On peut devenir une ombre. Ça doit être par là, faut pas que je tombe, parce que là, je me vois pas en train de tout recommencer. Non, ça se voit pas là. Ah ouais. Mince, ça a pas marché. Ah ça y est. Ça y est, j'ai réussi. Ouais, ça doit être... ouais, c'est un jeu Xbox One parce que j'ai pas vu le logo de la 360 au début, c'est quand j'ai lancé le jeu. Il y a beaucoup qui me demandaient des fois si je jouais pas. Ah, il y a certains jeux sur 360 avec la console. Non, je vais vous montrer l'interface. Attendez, les gars, vite fait. Hop, voilà pour bien vous montrer. Il y en a qui m'avaient demandé une fois. Là, c'est un jeu Xbox One. C'est vrai que ça il a un petit peu l'air un jeu là. 360. Bon, moi j'ai dit Xbox Series X parce que je joue justement et il est gratuit sur le Game Pass. C'est sûr qu'on aimerait qu'il soit plus beau le jeu, qu'il soit un SX, mais là il n'y est pas. Ça, faut pas attention, il faut pas s'attendre à plus. Apporter le bobine du cinéma. Est-ce que je peux sauter là? Hop, voilà, c'est fait. Non, mais ça j'en ai plus besoin. Faut que j'aille voir la petite. Ça reste un bon petit jeu, sympa. Pas s'attendre à plus. Je crois qu'il est allé au cinéma retrouver ses amis.
Par contre, le truc des ombres, je trouve ça vraiment pas mal. C'est dommage que ça soit pas plus exploité dans certains jeux. Il y a un jeu que j'ai joué il y a pas longtemps qui avait les ombres comme ça. Je me rappelle plus du nom. Je mettrai le lien, le plus la vidéo à la fin. C'est un autre jeu qui est vraiment sympa et il mérite d'y jouer parce qu'il y a vraiment pas mal aussi avec les ombres et tout. C'est vrai que j'y pensais plus, mais celui-là il est vraiment bien fait quand même. Pour un vieux jeu. Ah, je peux pas me allumer. Je peux pas allumer. Grave. Alors, je dois aller où là? Alors. Alors, il faut une lumière pour faire fonctionner. Ouais, mais je l'ai pas. Je fais comment? Je fais comment? Est-ce qu'on peut y aller là? Non. Je peux pas, je peux pas mettre dans l'ombre, non. Alors, est-ce qu'on peut aller ailleurs? Je pense pas, parce que la petite elle là-bas. Apporter la bobine. Ouais, il me redemande d'apporter la bobine au cinéma. Là, je peux pas y aller. Alors là, je sais pas ce qu'il faut faire, parce que la petite elle me dit pas ce qu'il faut faire. Je peux pas le bouger ça? Non, je peux pas. Là, je suis bloqué là. Alors là, il me dit pas du tout ce qu'il faut faire, le décor. Est-ce que je peux passer derrière pour voir? Non. Je suis mort. Ah, on a même un succès comme heure. Point d'étoile. Ah ouais. Ça allait pas mal. Ah, peut-être que je pourrais y aller comme ça, non? On faudrait le pouvoir, je sais pas. Ça fait un peu loin quand même. Ah. Ça aurait pu marcher. On aurait pu le faire, mais ça fait un peu loin. Alors, ce qui est bizarre, c'est quand même. La petite me dit pas ce qu'il faut faire. Je vais descendre en bas, voir. Ah non, je peux même pas. Ok. Apporter la bobine. Vous avez le mien, hein? Il faut le mien pour faire fonctionner ça. Ouais, je sais, mais j'arrive pas à le trouver. Et je comprends pas. C'est qu'il faut aller la chercher. Est-ce que je peux monter là? Non, je peux pas. Oh, bizarre là. Ah, il y a un truc là-bas. Il y a quelque chose qui brille. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, mais c'est un micro. D'accord, on entend de la musique. Ça, est-ce que je peux l'ouvrir? Non, je peux pas. Là, je vous avoue que je suis bloqué, les gars. Ah, mais là, je reviens au... Ouais, je reviens au début. C'est pas bon. Et le problème, c'est que là, je sais pas ce qu'il faut faire. Parce que là, il manque. Je vois qu'il manque. Revenir à un objet. J'ai pas un objet. Est-ce que j'ai pas un objet j'aurais ramassé? Non, j'ai rien. Objet collection. Non, pas ça. Non, j'ai un dessin de la petite. Alors là, je ne sais pas du tout comment je dois faire. Surtout que j'ai pas de pouvoir pour le nom, pour le mettre, non. Là j'ai fouillé un peu partout, je ne sais pas du tout, ça m'étonnerait qu'il faut revenir à l'arrière quand même. Il y a quelque chose à faire, mais quoi? Sur le bémol là, je pensais avec l'ombre, mais là il n'y a pas d'ombre. En plus le cinéma se trouve là-bas comme par hasard, et là je suis bloqué les gars. Là je vous avoue que là, je ne sais pas comment faire. La petite elle me dit rien en plus. Ah là. Là je suis carrément bloqué. Oh ben tant pis, je vais m'arrêter là les gars. Voilà, c'était pour le montrer, pour vous dire que c'est un jeu assez sympa quand même. Même s'il est assez simple tout. Après c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux, graphiquement c'est pas super super, mais ça mérite de jouer. C'est assez cool quand même. La jouabilité est pas mal quand même. Tout. Après si vous aimez les petits jeux d'aventure comme ça, le jeu est gratuit sur le Xbox Live, Game Pass, plus vous avez le Game Pass. Vous pouvez jouer. Allez, moi sur ce coup je vais m'arrêter là, je vais essayer de trouver quand même parce que j'aimerais bien savoir la suite quand même.
Voilà, sur ce coup, moi je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like. Pensez à vous abonner à ma chaîne Multifranc77. À plus. Ciao.